Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Et on est reparti pour plus de Darkest Dungeon après la fin. Alors on va pas l'appeler comme ça parce qu'il y a encore plein de trucs à faire, il y a des DLC et tout. Donc bon. Et toujours en mémoire de Gaël et Thomas qui sont morts en combattant le cœur des ténèbres. Et ouais. Et ouais. Ah, on a plus la limite aussi. Je crois qu'il y avait une limite de 16. Je crois. Même ça, c'était lié à la fin, en fait. Bon, enfin. C'est comme ça. Alors, la dernière fois, on avait... la dernière fois, c'était la dernière fois où on avait fait le boss, du coup. Donc, on va voir ce qu'on va faire maintenant. Alors... On a plusieurs petites choses à faire, en fait. On a plusieurs petites choses à faire. Ça, c'est quoi, la Toussaint? Ça, c'est quoi, ça? Critique et précision. Ok. Plusieurs petites choses. Alors, déjà, on doit récupérer encore les objets de l'ancêtre. Car c'est pas fini. Ça, ça va toujours rester, genre donjon de ténébreux, là, fait... Alors, ça peut pas disparaître. Non. Enfin bref. On a encore, je crois, deux objets de l'ancêtre à récupérer. On a des objets qu'on connaît pas encore, qu'on n'a pas du tout. Genre par exemple ça, par exemple. On a la farm du... La récolte sans fin. Le labeur incessant du combat séparera le blé de la balle. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Reflet sanguinaire, tue autant d'ennemis que possible. Donc il y a ça. Et après, il y a le DLC des vampires. Enfin, je dis des vampires, mais j'en sais rien, quoi. Bon, c'est trucs avec du sang, quoi. Hein. Enfin, bon, c'est des vampires. Alors, je pense... qu'est-ce que je voudrais faire? Je pense peut-être me concentrer un peu sur la ferme. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut de toute façon. Hein. C'est pas comme si on avait, on était pressé et tout par le temps. Maintenant, on s'en fout, donc ça c'est bien. Donc on peut faire ce qu'on veut. On a zéro stress, ce qui est bien. On a encore quelques petits trucs à faire, genre en novice. Donc on a plein de niveau 2, donc en novice ça sera surtout des trucs comme ça. Genre par exemple le DLC du sang. Donc voilà, on prendra 4 mecs un peu au hasard, comme ça on a du soin qui traîne et tout machin. On va se débrouiller. De toute façon, en novice on met des babioles extrêmement haut niveau et puis voilà quoi, on gagne. Après en vétéran... Genre, je me rappelle plus. Je crois qu'on a encore un boss à faire. Non, c'est là. C'est fait. Ah ben non. Non. On a plus de boss en vétéran. On a que des boss maintenant en champion. Du coup, le vétéran, ça servira... le vétéran, ça servira pour avancer dans la cour, là, le... DLC là-dedans. Et là, il y a ça, partie 3, vaincre l'endormi. Donc, ouais, il y a un truc là à faire. Journaux. Ah oui, les journaux collectés, j'en ai parlé de ça. Ah, on les a pas tous, faut que je les collecte. Aussi. On a ça, et après, on a des petites choses aussi. On a par exemple eux, là, les brise-boucliers. Il y a aussi leur petite quête à faire. Genre, tuer les rêves, les cauchemars et tout ça. Là, je crois qu'on est à 2 sur 7. Un truc comme ça. Donc, il y a ça aussi à faire. On a une mousquetaire. Je voudrais bien l'augmenter. Parce qu'elle est sympa, elle. En plus, elle a compétence de soins à plus 20%. Donc, vraiment cool. J'ai pas trouvé de skin très intéressant avec les mousquetaires. Donc, ça, c'est pas mal aussi.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? On a toujours quelques parties en fait de. Ouais, genre ça, pareil, on peut augmenter. On a toujours quelques parties encore de la ville hein, à faire. Du domaine. Le domaine souffrance. Voilà. Donc ouais. Moi je dis pourquoi pas tester ça. Comme ça on voit pour récupérer des cristaux en fait. Moi ça m'intéresse. Alors on avait vu que la dernière fois si c'est un combat... je me rappelle plus. Genre si ça s'arrête et ça enchaîne. Genre si on fait une pause entre les deux, on perd les charges, je crois bien. Genre par exemple ça, utilisation par combat 1. Même si le combat s'arrête et après on reprend un combat, ça on perdait la charge. Donc est-ce que on va avoir la même chose là? Est-ce que c'est vraiment un seul combat ou alors il va y avoir des pauses? Parce que s'il y a des pauses, c'est la merde. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Giant Dad, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu? Loge est pas mal. Ah, il y a Druel qui a de la protection. À la limite, on peut prendre Druel. C'était des gens de cristaux, de cristal, là. Est-ce que... Genre ça, là. Ah oui, coquilles. C'est ça qu'ils les appellent. Ils appellent les coquilles, je crois. Je vois. Ouais, coquille. Quand coquille attaque, protection. Ok, ouais. On peut faire ça. On peut tester une farm. Alors, on va prendre docteur. Toi, t'as quoi? Anxiété, ennui, ça va. Après, l'émeralde. Elle a des vertiges. Ouais, ça peut être potable. Je sais pas trop à quoi ça va, à quoi on s'attend, mais ça peut être potable. Alors ça, après l'anneau. Du saignement en plus avec... je sais pas. Ça peut-être. Après. Alors toi, ce qui est bien, c'est que toi, on a deux trucs extrêmement bien. C'est parfait. Après, pour elle, je vois pas trop. Ouais, on avait fait un peu le système avec plus de soins. C'est vrai que ça aide. On peut faire ça. Ouais, on peut faire un truc comme ça et voir combien de temps on reste. Par contre, le 20%, non, ouais, ça m'intéresse pas. Enfin, à la limite. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je sais pas trop quoi. Ça, étourdissement. Avec l'esquive. Ouais, à la limite. Ouais, genre ça, honnêtement. Je sais pas quoi, en fait. Je sais vraiment pas comment ça va fonctionner, mais ça me paraît très bien. Après, on a... Ah, bah attendez, on peut prendre... Normalement, on a notre brise-bouclier. Pourquoi pas la prendre, parce qu'elle est plutôt fun.
Elle est plutôt fun à jouer. Ouais, non, moi je la trouve sympa. En plus, elle fait du... de l'infection et tout ça, donc ça va en synergie avec, avec elle. Enfin, y a, là, c'est Dot à fond, quoi, en fait. Là, c'est Dot puissance, puissance 1000, quoi. Alors, vas-y, 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 on va faire ça. Boing. Alors, du coup, elle, on va la... On va lui mettre ça. Donc, précision. Après, est-ce qu'on lui met ça? Est-ce qu'on a des objets spéciaux pour... ouais. Alors... Infection. Infection, oui, c'est pas mal. Après, il y a de la protection plus 10, tout simplement. Donc, je crois qu'on a quand même mieux. Tiens, c'est marrant, on pourrait la mettre en position 4. Et du coup, elle aurait ça... Ouais, mais de toute façon, elle bouge de tout le temps, donc non, en fait. À la limite, je préfère lui mettre un peu plus de, d'esquive. Elle a pas trop d'esquive, elle, du coup. Hein, mais... Ouais, je dis pourquoi pas. Allez, on va tester ça. Ah, mais merde, faut acheter des trucs. J'avais oublié ça. Faut acheter plein de trucs, là ça fait 10 000 qui partent hein, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... Ok. Allez, comme ça, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas, tout simplement. Allez, on y va, on va voir. The poor miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void. Wow. Ah, mais t'es vraiment un connard, en fait, c'est chaud. Le bijoutier, une créature étrange et sournoise, convoite les cristaux étranges trouvés près du moulin. Okay. Cela a l'air sûr pour l'instant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, c'est... Alors, soin reçu, moins 10, stress, plus 6. Pierre angulaire, 16. Oui. Ok. Ah oui, c'est la ferme. C'est parti. Ah waouh, t'as riposte, salope. Tiens, on aurait dû prendre un Gwyndoline peut-être, pour faire des AOE et tout ça. Ça aurait été peut-être mieux. Enfin, c'est fait. Hmm.
Ouais. As the fiend falls, a faint hope. Ah oui, il faut détruire les cristaux aussi, non? Il faut détruire les trucs avant qu'ils se transforment en cristaux. Non, une fois qu'ils se transforment en cristaux, il faut les détruire sinon ils explosent. C'est ça les trucs. Je... Là, voilà. 9 HP, ça va. Genre, on avait une infection augmentée, durée de l'infection plus de 50%. Waouh! Très bien. Pas mal ça, pas mal. Le soin du docteur. Ça va pour le moment. Ah, il nous faudrait le bouffon. Hein. Ça serait bien. Hein. T'as le seul bouffon qu'on avait, on a dû le... Il a dû se sacrifier. Incroyable. Incroyable. Continue the onslaught. Destroy them all. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, restauration. Même pas. Putain, 5 PV le tour. Oh putain. Chaud quand même. Ah, tu te mets même restauration sur toi-même. Ok. Waouh, ça a crit la blague. Genre, il arrive à se soigner, quoi, c'est ouf. Back to the pit. Ça va, avec elle, c'est facile de les détruire, les cristaux. Parce qu'elle ignore la protection. Bon, c'est très tranquille pour le moment. Ah! Ça y est, ça arrive. Impressive. Il y a juste le stress qui est un problème en fait. Je pense que ça va être une farm un peu longue. Je sais pas, je le sens comme ça moi. Confidence surges as the enemy crumbles. Eh, hey, 140% de résistance à l'infection et on a réussi. C'est pas mal celle-là. The wounds of war can be healed, but never hidden. Les étoiles sont anormales. Precision and power.
Ça va, pour l'instant, même les dots sont pas très puissants. Ouais, c'est tranquille. Le plus problématique, c'est le stress, en fait. Nickel, tout le monde va mourir de dots. Ah oui, c'est vrai qu'en plus de faire des dots, ça détruit les cristaux directement. Petite. Qu'est-ce que je fasse là? Rêve de l'endormi. Ah oui, voilà, là c'est la pause. A closer look, perhaps. Prenez la hachette, détendez-vous. Putain, c'était un soin de stress, merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les chevaux qui nous bougeaient l'ordre là. Pas mal. Well struck. Là, on peut pas faire grand chose en fait à cause du stress. Enfin, il monte, puis basta quoi. Là, on n'a pas de marque. On n'a pas de moyen de le faire descendre, on a... Ouais, non, là, il manque un truc. Ah bah, bravo. Non, là, y a rien à faire. Hein. Encore le cheval. Ah, c'est pas ça qui va le... Il va faire son attaque à la con, là. Ça va foutre le bordel dans notre équipe. Je crois que c'est ça. Bon, c'est tranquille.
Ah, oh, la musique, ça y est. Cristal à détruire. Ah mais du coup le cristal c'est vachement facile avec elle. Et merde. J'ai rien dit. La quatrième position c'est la seule position où il faut pas la mettre. Ouais non là c'est mort, il va exploser le machin. Ouais, je crois. Oh la chance. Non, pas absolument, voilà. Size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Tu m'as tout résisté, salopé. A decisive pummeling. On va le laisser mourir de dot. Comme ça, on se fait pas chier. Celui-là de l'arrière, enfin. Genre, il voulait pas avoir de dot, quoi. Oh la vache. Infection 140%. Vas-y. Ouais, non. Toi peut-être. Yes, très bien. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Eh ben. Alors, provision alléchante pour vous remettre en forme. Cool. Vingt-cinq morts. Embrasé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on combat des squelettes maintenant. Ouais, non, mais là, c'est mort hein, pour le stress. Le problème, c'est qu'ils vont tous commencer à stresser de plus en plus vite, en fait. Ouais, c'est un peu chiant là. Soothed.
là 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 là. Bah, j'avoue que c'est pas méga méga fun, là, parce qu'il y a rien qui se passe en fait. C'est juste tuer des grosses vagues. Sans vraiment faire autre chose. Protection 80%, putain. Ouais, pas mal. Où est la passion, où est la concentration? Bah, dans un sens, c'est pas faux. Ah merde. Ouais. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Ah, ça va être bien de finir le truc avec eux qui arrêtent pas de stresser. Oh la vache. Ok. Là, au moins, on va pouvoir les saigner. Ah, doucement, 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 doucement. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi plusieurs fois? Hop. Le stress monte un peu. Ça devrait passer. Arrête de stresser les gens, docteur, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Ça va relativement vite et c'est assez safe, hein, honnêtement. Mais bon, ouais, le coup du stress. Ah, c'est peut-être les derniers à tuer. On s'arrêtera là si c'est les derniers. Yay. One can sometimes find clarity in madness, but only rarely. The wounds of war can be. Je sais pas ce qu'on peut prendre comme comme classe pour le stress. Parce que là, c'est pur stress de. Bah, des attaques en fait, des AOE et tout ça. Donc, c'est pas comme si on pouvait l'arrêter. Hein. Oh là 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 là.
Très bien. Lui, il est mort du coup. Créature, on va faire ça. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Meunier, la moisson, dégâts subis, on sent vraiment résistance d'infection plus 40, vitesse plus 3, dégâts contre les meuniers. Cool. Par contre, on va s'arrêter là. Cannot learn a thing you think you know. Ah, on gagne quand même des perks et tout. Oh, enthousiasme extrême. Enfin, c'est pas vraiment intéressant. Enthousiasme extrême sur un... Docteur, c'est pas vraiment. And the pistol. A fitting end to my folly. And a curse upon us all. Tournoi de la précision. Ah! Oui, la précision à la limite. Ah, si! Si, si, si. La précision à la limite. Ouais. Parce que... Bah, dégâts et crit, on s'en fait. Quoi que crit aussi, hein. Si, si, ça peut être utile. Mais la précision, hein. Parce que... Bah, si elle loupe l'attaque, elle peut pas stun, par exemple. Donc, oui, c'est pas mal, en fait. Et bien sûr, le coup du crit, c'est aussi bien. Ah, tiens, ça a pas compté. Parce qu'on a toujours les mêmes personnes. Je pense qu'on va enlever ça, la vitesse moins 1. Ça c'est embêtant ça. Nickel. 34 adversaires fauchés. Donc ouais, on peut continuer. Bon, par contre, moi il faut que je fasse une pause. C'est quoi ça? Ouh, c'est bien ça. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore. C'est quoi ça? Vitesse, dégâts, stress. Moi je vais m'arrêter là, je vais faire une pause. Je sais pas trop quoi faire. On pourrait prendre ça déjà, mais on n'a pas de bouffon, donc on va attendre pour le reste. Non, mais c'est cool, on va continuer un peu la farm. On va voir si on peut pas faire un truc plus énorme, plus efficace. Il y a quoi? Mais il y a strictement rien en fait. Parce que après, je veux bien prendre Vanguard et avoir ça, mais c'est utilisation par combat, c'est 1. Et on avait vu que les charges, elles ne revenaient pas en fait. Entre les combats. Donc c'est mort. Ah, il nous faut un autre bouffon, en fait. À moins de faire du crit non-stop, y a pas moyen. Ah, elle renvoie les dégâts, c'est pas mal ça aussi. Compétence de soins, plus 20% si au bénit dans l'inventaire.
Après, dégâts contre les coquilles, les horreurs. Peut-être ça en deuxième position. Ça peut être pas mal. Une Vestale en deuxième position avec le coup de masse et tout ça. Donc là, il y a 25% sur les coquilles et les horreurs. Déjà, c'est pas mal. Brise bouclier lors d'une attaque ciblée aléatoire, 5%. J'aurais fait une infection plus importante, PV max. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Le flagellant, des PV en moins, dégâts en plus. Saignement en plus. Ouais. Ignore la furtivité. Bah, pour l'instant, je dirais que la pointe de lance spectrale a l'air pas mal. Dégâts 15 et PV 15, c'est beaucoup. Après, apparemment, lors d'une attaque, a 5% de chance de taper aléatoirement. Non, mais ça a l'air vachement bien, ça, en fait. Genre à la place de ça. De toute façon, en précision, elle se débrouille très bien. Ah oui, il y a ça, tiens, à l'enlever. Moi, je dis pas non pour prendre la... prendre ça. Ouais. C'est pas mal. On va enlever la maladie là. Voilà, on va devoir faire un run argent ou un truc comme ça. Ou alors on retourne avec d'autres héros en fait tout simplement. Farmer des cristaux, je sais pas. Mais là j'avoue que... On n'a pas un bouffon là. You will be laughing still at the end. On a un bouffon qui peut nous aider. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. La façon dont on recrute les gens, là. C'est peut-être pour ça. On avait dit ça, hein, ouais. Le meilleur équipement. Ouais. Bah, on continuera. Moi, je fais juste une pause que j'en peux plus. Et on va continuer. Et du coup, on va utiliser le Jester, là. Mais du coup, faudra prendre quelqu'un d'autre. Une autre équipe. C'est bête, j'aimais beaucoup le brise bouclier. Mais ouais, on va changer d'équipe. Et puis, on va continuer avec ça. On pourrait même prendre... Non, Vanguard, non. On peut pas vraiment... Enfin, les gens à charge, en fait, c'est pas vraiment intéressant. Ah, mais ouais. Ok. Petite pause et je reviens. Ok, donc on est de retour. Donc là, ça va être la deuxième partie en fait de la vidéo. On a récupéré un bouffon au début. Et je voudrais le tester en fait pour notre run. Alors le problème c'est que tout le monde est stressé. Ça c'est un problème. Les 4 qui sont ressortis sont stressés et on n'a pas d'argent comme d'habitude. On a toujours un problème d'argent. Donc honnêtement, ça serait un peu con d'y retourner. Mais si j'étais intelligent, je serais sûrement plus. Heureux dans ma vie. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va y retourner. On va retourner. Alors la dernière fois, on avait récupéré... Ah ben c'est ça. Médaillon de Mildred. Meunier, moisson, dégâts subis, moins 100%, résistance aux infections, plus 40. Vitesse 3, et dégâts plus 40% sur le meunier. Alors c'est sûrement un boss. Ok, et on avait récupéré un truc super cool, c'est ça. La pointe de lance spectrale. Pas mal ça. Vraiment pas mal. Donc ça m'intéresse. Je pense honnêtement que, parce que j'y ai pensé entre temps, parce que vu que j'ai fait une pause, double brise bouclier, c'est sûrement le plus intéressant qu'on pourrait avoir. Deux brise bouclier avec ça à spammer, avec ça empale, ça touche tout le monde, plus l'infection, et le fait qu'il puisse taper en fait sur les choses en ignorant l'armure, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut utiliser. Donc en avoir deux, ça peut être utile. Donc il nous faudrait un bouffon. Après, j'ai pensé aussi à un truc, c'est que les Vestales, c'est peut-être pas les meilleurs pour soigner. Il nous faudrait autre chose, mais je sais pas quoi. Après, un occultiste, il peut soigner n'importe où, donc à la limite, on peut le mettre en deux.
Ça, il peut pas faire là-haut. Ah, le problème, c'est que l'occultiste, il est un peu limité dans ses choix. Il y a la main abyssale qui peut être intéressante. Parce que, en fait, on n'a pas besoin de tout le temps de soigner. Si on arrive à tuer, on n'a pas besoin de soigner. Bon, après, il nous faut un... Genre ça. Après, on a le choix entre Verdune et Loge. Verdune, il peut se faire soigner plus facilement, à la limite. Loge. Loge à la casse-cou. On peut pas en mettre deux. Hein. Par deux, la souffrance ne peut pas être partagée. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc on aurait deux. Et après un soin. Alors moi j'ai pensé à un soin, un... genre un croisé ou un une arbalétrière. Enfin, slash mousquetaire aussi. Là. Pour ça, là, on peut soigner à n'importe quel endroit et on peut faire du DPS en même temps. Arbalétrière, ils ont combien d'esquives? Bah, je crois que c'est la même esquive, non? Bah, c'est un peu plus sûrement parce que... parce que c'est pas des chevaliers, enfin des trucs en arrière. Parce que pour ça, en fait, le soin reçu, je pense que si on la stuff bien, elle peut faire soin. Mais le fait, c'est que si on n'a pas besoin de soin, et bah du coup, elle peut faire DPS. Je trouve. Je trouve que ça serait une bonne idée. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Ça, ou alors une antiquaire aussi. Mais bon, une antiquaire, c'est... je crois que le soin, il est pas très bon, hein, comparé au reste. On est déjà... on est à combien, là? On est à 4, 4, au niveau 4. Là, on est à 2, 3 au niveau 4. Donc, ça va sûrement être 5 HP, mais là, ça va toujours être sûrement 4. Et vu qu'on récupère plus de soins à chaque fois qu'elle soigne, en théorie, c'est mieux. Après, pourquoi l'antiquaire? Parce que l'antiquaire peut faire esquive et mettre un bouclier sur quelqu'un. Le problème là, c'est que si je prends une antiquaire, alors j'ai du saignement, j'ai de l'infection, mais l'antiquaire, faut qu'elle soit... faut qu'elle soit en 3 ou 4. Toi, faut que tu sois en 3 ou 4. Et toi, faut que tu sois en 3 ou 4. On a 3 personnages qui doivent être au même endroit. Donc non. Param, t'es pas... t'es pas complètement équipé pour soigner. Utilisation par combat 1. Ça, c'est chiant, ça. Après, tu peux faire du... ça, comme ça. Du soin et du stress. Je vais voir un peu. Moi, j'ai envie de... parce que vu qu'on peut partir, en fait, à n'importe quel moment, moi, j'ai du coup, j'ai envie de faire des tests. J'ai envie de faire des tests. Genre, toi, on t'équipe. Il est où le truc en cristal là? Allô? Ah. Ça. Après, je crois que toi, t'as des trucs pour ça. Alors, chance de vertu 15, stress moins 20, résistance au coup. Fatal. C'est pas vraiment ce que je recherche. Y'a pas de truc qui augmente le soin? Ça va nous coûter de l'argent tout ça. Après toi on fait comme d'hab, ça change pas. Moi j'ai envie de tester, moi j'ai envie de faire des tests. Ah, il nous faut de l'esquive. Là on est à 45, là on est à 50, là on est à peine 35, mais c'est pas mal. De toute façon on peut pas vraiment augmenter plus que ça. Là on est à 20, donc on ferait ça.
Et plus d'HP. 36. J'aime pas trop la précision en moins en fait. Là, on te met une cape. Comme ça, ça ferait 28. Non, 38, pardon. 38, 35, 50, 45. Soin reçu. Non, non. Compétence de soins plus 15%, c'est pas beaucoup. On a, mais eux, ils avaient pas un truc mieux, un truc pour le soin? Peut-être que je l'ai pas récupéré en fait. Hein. Peut-être que je l'ai pas récupéré parce que. Ouais, non, ça c'est intéressant, mais bon, ça m'intéresse pas. Que je veux lui faire faire. Je regarde s'il n'y a pas un objet que j'aurais loupé. Ah tiens, dégâts contre les impies. On n'en a pas d'anneau comme ça. Bah moi je dirais que ça, ça peut être marrant. De toute façon, on teste quoi. Guild. Fais voir, fais-moi rêver. Cinq à six. Puis en plus, il peut soigner de n'importe quel côté. Puis on a le stress, ça. Après, on peut enlever le stress parce qu'on a le bouffon, mais. Allez, vas-y, j'ai envie de tester. Oh, merde. On va s'amuser un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il faut équiper les trucs. La dernière fois, on a acheté des choses. On n'en a même pas servi. Donc, je sais même pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Qu'est-ce qui nous manque ? On reste comme ça, on prend la bouffe au cas où. Parce que si jamais ça marche, du coup je vais avoir l'air con moi. Si jamais ça marche, notre truc complètement fou là. Je dis pas, pourquoi pas. Poor Miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void. Je sais pas ce qui t'a fait ce mec, mais tu l'aimais pas. Hein. Allez les gars, on va tester un truc. Est-ce qu'on peut mettre des objets là-dedans? Allez les gars, on va s'amuser, on va faire, je sais pas, on va faire n'importe quoi. Bam! Ah, il y a ça là. Qu'est-ce que ça serait bien, un perce bouclier? Vas-y, on va s'occuper de toi d'abord. Évidemment. Bien joué, bien joué. Oui, alors oui, alors là. Alors là, c'est magnifique. Niveau stress, c'est magnifique. Il y a un truc, je trouve que ce mode, en fait, il est marrant. Parce qu'il est pas trop difficile. Mais c'est de l'endurance, en fait. Mais du coup, vous êtes plus ou moins obligé d'utiliser un certain type de classe. Parce qu'honnêtement, sans bouffon, vous faites rien, en fait, dans le jeu. On est d'accord? Je vais voir un peu le soin. Eh, 7! Pas mal, hein.
pas 7 sur Verdun. Ah, faudrait peut-être lui mettre la lance pour qu'il puisse se déplacer, je sais. Bon, par contre, là on a les relous là. Surgical precision. On bouge. Enfin, faut pas qu'on bouge, parce que l'autre il va nous faire chier encore. Donc. Confusion, nerves, and panic. Évidemment, il fait des critiques. Oh mon dieu, le stress. Quoi. Oh. Bon, pour l'instant, c'est pas très très. Great is the weapon that cuts on its own. J'avoue que c'est pas extrêmement efficace. Hein, mais bon. On va y arriver. C'est juste ces cristaux à la con là qui nous font vraiment très chier. Ouais, je pense qu'un mousquetaire et tout ça, ça serait nettement mieux pour le soin. Ah ouais, ouais, ça serait nettement, nettement mieux. Vraiment conduire lui. Putain. Bon, merci. Super. Bon, pour le moment, j'avoue, c'est pas la joie. Mais ça va venir peut-être. Ou juste un. Genre un tour de show, vous savez, vous en faites quelques-uns. Mais ça vient. Le soin n'est pas extraordinaire, j'avoue que je pensais que ça allait être mieux. Je pensais que ça allait être un tout petit peu mieux. Du coup, lui passe son temps à soigner en fait, il ne fait pas grand chose. On va s'occuper de lui tant qu'il est devant. Voilà, putain de temps. En plus, Faram, il n'a pas d'habilité qui vont augmenter le soin qu'il donne par les babioles. Donc je pense que Mousquetaire serait plus intéressant pour ça aussi. Celle qu'on a. Très bien. Putain, je vais pas mourir. Incroyable. Ah, il faudrait que je... Oui, peut-être que j'enlève... Aïe aïe aïe. On peut l'étourdir. A singular strike. Yes. Très bien.
mal. Plus un crit. Continue the onslaught. Destroy them all. On va peut-être mettre du régène. Pour l'instant, ça ralentit, donc... C'est pas le top, là, en fait. Hein. Non, il faut mousquetaire. Hein. Moi, je pense que mousquetaire peut faire du bien meilleur boulot. Hein. Enfin, on y arrive petit à petit, mais c'est pas vraiment ça. The bigger the beast, the greater the glory. On va faire les deux derrière, ça va aller plus vite. Bam. Très bien. Après, si on pouvait utiliser ça, il n'y aurait pas de problème. Mais après, on récupère pas la charge. Ah, un truc qu'il faudrait voir, c'est que si on jamais on finit ça, là, si on y arrive à la fin. On essaye. Voilà, ça c'est mieux. On essaye de voir si on récupère des charges, en fait, de nos habilités ou pas. T'as les mecs, ils... empoisonne direct quoi, c'est ouf. Incroyable. Ah merde, il va pas mourir lui. Ah, la restauration, j'avais un peu oublié ça. Ouais, voilà, du coup. Quelle merde! Ah! Bon, bah d'accord. Bah la prochaine fois, viens en avance. Détendez-vous. Ouais, continue. Oh putain, encore un cristal. Well struck. A momentary abatement. Après, le mieux, ce serait l'antiquaire. Hein. Enfin, non, l'antiquaire, on peut pas la placer. Non, ce serait l'antiquaire à la place du... Oh la vache. À la place du docteur. À la place du docteur. L'antiquaire à la place du docteur. Impressive. Et deux lance-boucliers, là. Ça serait le top. Je pense que ça irait nettement plus vite. Waouh, super. Faut que je regarde la précision. À la limite, ça sert vraiment à rien de taper. En fait. On se débarrasse de cette merde.
Nickel. L'antiquaire avec double esquive, donc plus 20%. Enfin, plus 20, pardon, esquive. Après, on a... Elle peut faire un bouclier sur quelqu'un qui augmente l'esquive aussi. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça c'est bon. Peux t'étourdir, toi? Allez, faut que je vois, là. J'ai combien? J'ai... Je crois que de base, j'ai 3. Ouais, j'ai 3 utilisations, mais là, il m'en reste plus que 2, je crois. Voilà. Bam! Voilà, 9. J'attendais. Très bien. J'attendais juste ça, quoi. La musique est cool, la musique est très tranquille, j'aime bien. Elle est pas très agressive. C'est un peu comme, je sais pas, de l'exploration sur ta place. Hop. Bien. Plus la façon dont les combats se déroulent, je pense encore une fois qu'un DPS peut être plus intéressant. Voilà. Très bien. On va faire venir le cheval parce que lui il va mourir. Ah, j'aurais dû le stun. Pour éviter qu'il se cache en fait. Ah ouais. Ah, c'est pas grave. Ouais, voilà. J'ai merdé. Aïe aïe. Très bien. Ça va, il s'est loupé. Ah putain, il est passé en arrière. Ça. Ça prendra. Je vais faire stun. Pour pas le tuer, comme ça il crève du dot et pas autre chose. Sinon il y a le cristal, c'est chiant. Voilà, maintenant on peut le défoncer. Enfin, on peut le doter avec les grosses habiletés.
Ah, j'aurais dû le couper en fait pour faire plus de saignement. Ah, cristal. Mais non, attends, on allait le tuer le machin. Okay. Bah, je crois que ça prend un peu de temps, mais après ça passe. Hein. Après ça passe. Il y a ça aussi que je voudrais bien mettre. Hein, au final, ça peut vraiment être utile. Ça, je sais toujours, j'ai toujours pas testé ça. Je sais toujours pas comment ça fonctionne en fait. Enfin, pas comment ça fonctionne, mais dans quel cadre je peux l'utiliser. Parce que stress moins 20%. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On enlève ça. Ouais, mais là, je vais me foutre dans la merde, non? Ou alors, j'enlève le régène, juste pour ce combat, juste pour voir comment ça marche. Juste pour voir comment je peux l'utiliser le truc. Enfin, après c'est stress au moins 20%, c'est tout quoi. C'est pas. Après s'il peut se marquer et on peut en faire un tank. C'est pas mal. Alors. Provision, allez chante. Ok, soigne tout. Bon, ça fonctionne. C'est un peu spécial, mais ça fonctionne. Grandiose. Ah non, pas les cochons. Oh, merci, le stress, quoi. Existence folds in on itself. Aïe, 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 aïe. Ah, super. Alors, marque la cible. Sur soi. Donc est-ce que je peux me marquer sur si je fais ça. Donc je peux me marquer. Par contre ça dure pas longtemps. Peut-être que ça dure plus longtemps si c'est haut niveau. Ah, on a plus de grenades paralysantes. Pour l'arrière. On soigne. Non, mon dieu. Ouais, ok. Non, là, par contre, c'est. Ah. Bon. C'était deux morts. Obliterated. Après l'antiquaire, même si elle soigne moins bien, peut-être que ça passe mieux parce que les gens esquivent un peu plus. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Là, on est à la ramasse. Grave à la ramasse.
cauchemar de fouille des porcs avec un bandit, c'est n'importe quoi. Faut que ça dure plus longtemps en fait, faut que ça dure au moins 3 tours parce que là c'est limite inutile. On peut faire AOE. Parfait. Merci, ça m'aide. Enfin, non, apparemment, toi, t'es saignement 50% de résistance, mais apparemment, ça doit être du 3500%. Apparemment, les chiffres doivent pas être bons. Mon dieu. Compassion is a rarity. J'aurais pu le stun à la place de soigner. Ça aurait été peut-être mieux. Mais enfin. Pas vrai. Fait durer un peu la chose. Putain, c'est toujours le même. Je vois bien qu'il y en ait un qui se fasse empoisonner ou je sais pas quoi là. Et nous on absorbe, voir un peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Oh mon dieu. Trois qui crashent comme ça. Oh, c'est le fun. Alors là, si on se tape pas une maladie ou quatre. 30. Oh mon dieu, il fait des critiques partout, c'est incroyable. Alors ça, quelle merde. Mais voilà, ça c'est la preuve du fait que, en fait, on peut rien y faire là. Là, on est obligé de se taper du stress à fond, quoi. C'est débile. Je peux pas faire grand chose. Je suis sûr que le cristal il va nous téléporter avant qu'il meure en plus. Ah mais sans bouffon tu fais rien dans ce mode de jeu. Oh non, esquive bordel. Super. Les tarifs je crois que c'est super mauvais en plus. Vitesse moins 4, oh la vache, ça fait comme ça. Hop les cristal. T'aurais pas pu venir avant. Yay. Battle behind, battle ahead. But for a moment,
peace. Créature angoissée, sympa, si tu penses. Waouh! Waouh, j'ai de la merde. Ouais, vas-y, on continue. Oh, reality regained. C'était peut-être une. Ah, on a récupéré nos charges, ok. Bon, ben, c'est bien. Donc, on peut récupérer nos charges. Mais il faut faire tous les combats d'abord. Donc, en gros, c'est. Ouais, c'est. Là, par exemple, on a tué 26 personnes. Oh merde, j'ai pas changé. Aïe, j'ai pas mis mon régène. Faut que je remette mon régène. J'ai pas mis mon régène. Un stun. Ah, j'adore cette musique là, le passage. Hein. Pas optimisé au maximum hein, l'équipe. Ça va aller. Je suis assez content de Faram en fait. Je pensais vraiment pas que ça allait bien fonctionner. En fait, ça fonctionne pas si mal que ça. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Mais comme j'ai dit, je crois que le mieux ça serait deux perce-boucliers, un bouffon et un mousquetaire. Ouais, genre ça, quand ça arrive, là c'est la merde. Deux là qui tapent le machin parce que. Ok, très bien. C'est quoi ça? Oh! Ça régène. Ça régène et ça donne vitesse plus 5. Putain. Ah merde, c'est pas lui, c'était le Faram qu'il fallait buffer en stand anti-stress là. Ah, c'est pas grave. Bam! Joli. Ah merde, t'es pas mort. Ah
Bonjour. On devrait peut-être le soigner. En fait, j'attendais un cheval là, pour faire l'attaque. Ça fait 9 de dot direct. Critique et dégâts en plus. Pour le moment. Bam. Aïe aïe aïe. Tain. Joli. En plus c'est 14 avec moins 25% quand même. Ah, c'est chiant ça. On va soigner parce qu'on arrive au palier là. Peut-être qu'on va téléporter. Ah merde, j'aurais voulu tester ça. Pourquoi un critique, bordel? Fou ça. The instruments pause, but the symphony will soon continue. Ça, ça c'est quoi? Ouais, en fait, il me faudrait 5 habilités. Parce que ça c'est bien pour taper devant, ça c'est bien pour taper derrière évidemment. Ça c'est pour taper et saigner la cible, parce que 9 points de saignement c'est énorme quand même. Et après, on a le régène. Moi, j'aimerais bien après mettre ça, en fait, aussi. Parce que ça, c'est pas mal. Ça permet de soigner, en fait, quelqu'un d'autre. En même temps que moi. C'est pour ça, donc. Où on met une attaque? Bon, après, honnêtement, à la limite, l'attaque, on peut... De toute façon, on va pas la mettre là, parce que... On l'a pas augmenté de niveau. Mais à la limite, l'attaque, on peut ne pas l'utiliser. Et vu qu'on n'a pas un gros healer, on utilise le soin. Parce que ça peut toujours aider, tout simplement, en fait. Voilà, tout simplement. Alors que les dots et les dégâts, bon, on peut le faire, on peut mitiger ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, là, on pourrait soigner Pharam en même temps que se soigner si jamais on est bas en vie. Mais là, on est un peu bloqué. C'est quoi ça? L'âtre du meunier. La cheminée se décompose lentement, mais semble toujours fonctionnelle. Ça va donner quoi, ça? Oh, on peut se reposer! An uneasy companionship. Oh. Ah merde! Ah mais putain, mais du coup il faut faire attention à nos habilités.
Toi, t'as léthargie, toi, tu nous fais chier. Ah bah tiens, on peut l'enlever, la maladie. Alors attends, parce que là, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut. Parce que j'étais pas prêt, je savais pas qu'on pouvait camper, en fait. Je me suis pas spoilé rien du tout. Donc du coup, je savais pas. Donc ça, c'est quoi? C'est un compagnon. Ça, c'est tous les compagnons. Stress, moins 15. Et après, 15%. Après, 4 combats, ça veut dire quoi? 4 combats, ça veut dire genre... un palier comme ça, c'est un combat, je pense. Vu qu'on a récupéré nos charges. Alors là, on aurait moins 15% pour les trois là. Après, qu'est-ce qu'on a là? Tous les compagnons, pareil. Là, on a pareil. Non, toi, on s'en fout un peu. Bon, on peut faire ça. Alors déjà, tout le monde a 15%. Enfin, 3 sur 4. Et là, on peut faire celui-là. Ça nous ferait... Sur lui, il aura 15%. Putain, on n'a rien en attaque que dalle. Oh, discours fanatique. 30, 30, 15 et 15, c'est bien. On a encore 4. On a que du on a que du stress en fait, de l'anti-stress du coup. C'est 3. C'est précision et critique. Pas vraiment intéressant. Stress moins 10. Précision 10. Soigne une maladie pour 3. Attends, est-ce qu'on sait combien la maladie? C'est 2. Ah mais merde, attends, c'est qui est malade? C'est toi. Du coup, en fait, oui. Voilà. Là, c'est pour remonter. Bah, je savais pas qu'on pouvait se reposer. Donc ça aussi, ça devient intéressant, là. Quels que soient les dangers que nous affronterons, la famine n'en fait pas partie. Ok, donc ça, ça sert. Tiens, j'aurais pu bouffer un peu avec... enfin, étincelante. Wow. Wow. C'est quoi ce mix? J'en ai fait un saignement augmenté, compétence de soins plus 15%, et sur les monts, c'est quoi? J'en ai fait un saignement, ouais, ils ont plus de crit et tout. Oh là 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 là. Putain, c'est ce rouge. Ah, la musique est cool. Ah, les musiques sont toujours cool en fait, c'est ouf. Mais merde. Ah, c'est 240%, putain de truc. Ouais, bien sûr. Ok, là on va en chier par contre, niveau stress. Je pense que là ça va être compliqué si on se tape des trucs comme ça, ouais. Toi non. Toi t'as un problème. On peut profiter pour... Alors... Je peux pas faire grand chose. Je ferme sur tout le monde. Ah,
On va soigner un peu quand même. Maintenant, t'es devant, donc tu vas pouvoir te prendre des baffes. J'aurais peut-être pas dû soigner, en fait. Attends, t'as été en... Ah non, t'es 47 pas, c'est ça. On va en profiter parce que toi tu fais vraiment chier en fait. Voilà. Très bien, ça aide. Plus 15% là. Après, on peut garder un petit monstre en vie, en fait. Genre là, le squelette, il fait quoi? Il fait un coup nocturne. Et je crois que ça descend quelque chose. Je sais plus quoi. Mais c'est tout, quoi. C'est sur une seule personne. Donc c'est pas trop grave. Puis voilà, quoi. C'est juste un squelette. Donc lui, on pourrait le garder en vie. Pendant que, en gros, on manipule les monstres qui arrivent, quoi. C'est pas si mal. Ah, je pense qu'on va l'utiliser. Tiens, voilà. 68 crit. Là, tu te prends un 9 de dégâts pendant 5 tours. C'est bien. Pas mal. Nous, on continue à soigner. Ah là là, avec un mousquetaire, ça serait... Je suis sûr que ma stratégie avec des mousquetaires, ça va être bien. Certain de ça. C'est quoi le malus? Esquive? Ou c'est autre chose? Après, je peux l'enlever. On va soigner toi. Restauration. Je vais voir qui arrive en fait. Voilà. Très bien. Leur buff. Je sais, il va se taper 4 de dégâts à chaque fois, mais bon. Très bien. Ah, maman. Après, on pourrait pas le faire avec un... avec des lance-boucliers. Ouais, ça, c'est une autre chose. Si on fait AOE tout le temps, bon après on aura une autre facilité, c'est de faire des AOE tout le temps. Donc en théorie on devrait tuer plus vite. Arriver au palier bientôt. Ah ouais, c'est esquive moins 10. Bon, c'est un peu dangereux quand même d'avoir un esquive moins 10, j'avoue. Mais bon, ils sont un peu tous chiants de toute façon. Parce que lui, il fait saignement et il fait un debuff aussi. Mais bon, dans un sens, on sait ce qu'on a. Parce qu'on sait pas ce qu'on va avoir. Donc en théorie, c'est quand même plus safe de faire ça que de le tuer. Thank you.
Hop. Ce qui est bien, c'est que lui il passe d'abord, du coup, quand on met restauration. Attendez. Quand il met restauration, il va prendre le saignement et on peut le soigner directement après. Donc c'est nickel. Bon, est-ce que c'est le dernier de la vague ou pas? Est-ce qu'il va avoir autre chose? On va peut-être le tuer maintenant. Ah non, ça y est. Vous voyez, c'est pas mal. At last, some sheltered corner of reality. Provision alléchante. Quoi? Yes. Alors esquive 3 tours, esquive 10 tours, 2 tours. Donc ça ira. Ça dépend ce qu'on. Anchored on solid ground once more. Ah! Ah! Tu peux pas saigner du coup, merde. Ah! Ça. Et le retournissement, ou alors on tape. Pauvre âme. Ah oui, il va pas le faire tanker là ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, voilà, il est gelé. Et compétence de protection désactivée. Tiens! C'est ce qui est classe, c'est sympa. Voilà. Voilà. Moisson. Aïe aïe! Mettre à peine. Ah, vous faites chier. Oh, non. Oh l'enfoiré. Ok, donc ça c'est un peu pute par contre. Là, si tu commences à m'appeler des trucs squelettes comme ça tout le temps, ça va être, on va pas être copains en fait. On va vraiment pas être copains. Ah, j'aurais dû le stun. Non, il a 115%. Aïe aïe. Ah! Pire en pire. Bam! Tiens! On va continuer l'infection parce que sinon, si on lui fait pas de dégâts, on va jamais rien faire en fait. On va tuer avec Faram. Voilà. Tiens, attends, on l'avait on l'avait saigné le cristal? J'ai pas fait attention, je crois que oui. Aïe aïe, oh la vache. Ok, bon là peut-être on a besoin d'un healer. Oh non, il nous fait deux fois la moisson d'affilée. Alors ça, si c'est pas pute.
quest pour faire des dégâts. Aïe 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 aïe, la moisson. Oh, il a loupé. Ah non, là on est dans la merde. En plus on a plus le bonus de soins là. Soins reçus, moins 10%, super. Apparemment, il peut pas buffer les machins. Là. Du coup, ça c'est bien pour nous. Les épouvantails, il peut pas les buffer, mais il peut buffer que les gens comme ça, là, les normaux, les paysans quoi, en gros. Lol. Ouais. Ok. 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 Ouais. Ah, oh, ça lui remet full vie. Là, on n'y arrive plus là. Doucement. Ouais. Where there is no peril in the task, there can be no glory in its accomplishment. Bon. Bah c'est pas. Ah, c'est bien parce que ça compte en fait ce qu'on a tué en plus, même si on n'y a pas, on n'a pas réussi. Et on gagne des éclats en plus. Enfin, c'est des éclats par contre, c'est pas des cristaux. Bon, on va s'arrêter là pour la ferme. In time, you will know the tragic extent. Alors, les mercenaires se sont payés pour leurs efforts en emportant deux éclats. Ah, donc les mecs comme ça, ils prennent quand même des éclats. D'accord, ok. Bon, y a pas de problème, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Tiens, on a un autre bouffon. Ah bah tiens, on pourrait utiliser, hein. On pourrait faire ça. Je suis sûr que ça passe. Alors, est-ce qu'on est sorti en stress ou pas? Non, on n'est pas sorti en stress. Très bien. Très très bien, ça c'est on n'est pas sorti en stress. Donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, même la prochaine fois, je pourrais... Parce que là, il y a des trucs intéressants, là. Il y a les deux brise-boucliers disponibles. On a toujours notre bouffon. Donc les deux brise-boucliers. Oh, ils ont de la... Ah mais non, mais il y a tout qui est disponible en fait. Alors, deux brise-boucliers, le bouffon. Et on avait dit quoi après? Un soin. Bon, après on a vu que... Bon, j'avoue que Faram, bon, il a fait du bon boulot, mais c'est pas ça. C'est pas assez, c'est pas assez. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'une mousquetaire, là, elle peut faire mieux, en théorie.
je crois. Faudra tester. Parce qu'en théorie, plus elle soigne, et mieux elle soigne. Mais je crois que les mousquetaires, ils ont pas des trucs pour soigner. Compétence de soin, 33%. Donc... Bah voilà, la différence c'est qu'en mousquetaire, on peut mettre ça. Du coup, 33%. Et après, on peut lui mettre ce qu'on a mis à Faram, tout simplement. Ça. Ça ferait... 63% de soins en plus. Bon après du coup elle a plus de défense quoi. Enfin, on a les emplacements sont pris. Mais non, ça pourrait être intéressant. Hein, ça pourrait être intéressant. Faut absolument la monter, faut qu'on teste. Bon, on a 30 cristaux, c'est pas beaucoup. Au final. Non, c'est pas très intéressant. Bon, en tout cas, on a appris des choses. On a appris des choses. Que, bon, sans bouffon, on fait rien. On fait strictement rien. Qu'un healer DPS, ça peut être bien. Mais bon, après, on a un problème avec les boss. Que les dots, c'est le mieux qui existe. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Et après, voilà. Et après, voilà. Du coup, ça fait changer les semaines ou pas? J'ai même pas vu si... je crois. Hein. Bon. Je vais voir. Je vais voir, peut-être qu'on refait un test. Le prochain épisode avec ça, avec les deux là, ça m'intéresse. Après moi je voudrais bien faire un test avec le mien, mais le mien il est un peu stressé je crois, puis on n'a pas d'argent. Ah oui si non, ça passe pas les semaines en fait. La farm à l'infini ne passe pas les semaines. Bah tiens, on aurait pu la faire et bon après ça nous fout dans la merde parce que si on ressort stressé Du coup, on doit perdre quand même une semaine parce qu'on doit déstresser les gens. Mais bon, voilà. Bon. Je vais tester. Je vais tester la prochaine fois. Je pense qu'on refait encore un run de farm. De ferme, pardon. Et avec double brise-bouclier. Bouffon. Et je pense le soin, du coup. Je pense à un Vestal. Ça sera ou Furnival ou Mané, pardon. Furnival a strictement rien d'intéressant. Furnival elle a tout au max. Ouais bon, Furnival alors à la limite. On prendra un Furnival et elle fera. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!